Je t'avais dit qu'il me donnerait un nouveau bureau, n'est-ce pas? En fait, c'est pas vraiment un bureau, c'est un palace, le bureau. C'est un château. Il est gigantesque, il est magnifique, il faut que tu viennes voir. Il y a même une plante. Il y a une plante. D'ailleurs, la petite Ruby, elle dort déjà. Tu peux me la passer, s'il te plaît? Faut que je dise bonne nuit, non? Merci. Attends, je te rappelle, c'est lui, ok? Je te laisse. Justement, les deux en même temps. Peut-être que ce serait plus. Ce serait encore pire! Ça divise par deux l'intérêt du truc. L'un après l'autre. Laissez tomber cette idée. Charlie! Puisque la réunion d'aujourd'hui a l'air de vous passionner, faites-moi part de votre idée de campagne. Mon idée de quoi? Bien, si vous ne voulez pas nous quitter dès maintenant, donnez-moi votre idée. Je m'attends à une idée royale, Charlie. Donnez-moi du royal. Allez-y, racontez-moi. L'histoire de ma vie, comme celle de n'importe qui ici, pourrait facilement être découpée en plusieurs époques, en plusieurs saisons si on compare une vie à une série, ou en plusieurs arcs si on compare ça à un manga. Vous êtes sûr de savoir où vous allez? Oui. À chaque époque, saison, chaque arc naît forcément d'un événement marquant, d'un changement significatif qui nous a laissé une trace, un héritage. Donc par exemple, si j'essaye de définir les différentes époques de ma propre vie, donc de trouver les différents événements marquants, du coup, j'appellerais ma première saison une rencontre. Ouais, la première serait une belle rencontre. Moi aussi, je pourrais lier une époque de ma vie à une rencontre. Je mène une enquête sur ton boule à la Derrick, madame. Balance ton vieux mec trop cool à la dérive. Le prochain tournant serait facile à trouver pour moi. C'est une erreur de jeunesse. Une chose que je n'aurais jamais dû faire, mais que j'ai du mal à réellement regretter parce qu'elle fait partie de mon histoire. Un souvenir éphémère, ça peut être d'inoubliables vacances, par exemple. Un souvenir dans lequel on se replongera de temps en temps pour y puiser de la lumière, quand notre vie est assombrie par un moment difficile à surmonter. Ouais. Ouais. Une rupture. La première. La vraie. Celle qui fait mal, celle qui détruit, celle... Celle qui transforme, plutôt qui fait grandir. Ça, je dirais, une décision importante, un élan de motivation, un changement psychologique significatif qui nous a obligés à nous remettre en question et à changer ce qui avait à changer. Afin d'être sûr d'aller dans la bonne direction, vers les bons objectifs. Donc ça peut être un objectif spirituel, sentimental ou artistique, ça peut être un goal concret, comme économiser une certaine somme d'argent ou se sculpter un nouveau corps. Pour moi, ça a été les études, l'examen déterminant, une période de charbon acharné, pour laquelle il fallait se relever à chaque échec, et rester concentré sur ses objectifs et sur la réussite. Et enfin, le fruit du dur labeur, le moment qui a introduit l'époque de l'aboutissement. Je suis tellement fier de toi. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Ok, mais où est-ce que vous voulez en venir? Et la paire dans tout ça? La paire.
La paire. La paire a traversé les époques. Ça, je l'apprends à personne, d'accord. Alors personne ne serait étonné d'apprendre que ces chaussures n'étaient jamais bien loin dans chacun de ses souvenirs. Bien que séparées par de nombreuses années, il est étonnamment crédible qu'elles soient au pied de quelqu'un. Ou à mes pieds à moi. Ou au pied de celle autour de qui est construit le souvenir. En tout cas, toujours présente dans le paysage, toutes ces années. Survivre à toutes les générations. Traverser l'histoire. Et ainsi, la marquer. Je suis tellement fière de toi. Grâce à toi. C'est grâce à toi. Tiens. Non. Non. Il y a quelque chose que tu dois savoir. D'accord. Vous avez très bien imagé la chose grâce à votre expérience personnelle, Charlie, d'accord? Très authentique. Mais où est l'idée? Sur quoi doit s'appuyer la campagne? Vous n'avez rien de concret. Vous avez tout dit royal. Royal. Donnez-moi du royal, du royal, du royal, du royal. Iconique. Une paire iconique. Indémodable. Indéboulonnable. Indétrônable. Une icône. Qu'est-ce qui aurait pu aussi être avec moi lors de ma belle rencontre et pendant mon erreur de jeunesse, bien que séparé par de nombreuses années aussi, qu'est-ce qui aurait pu rythmer mes inoubliables vacances sans aucun souci? Qui aurait pu m'accompagner pendant ma grosse rupture, m'inspirer cet élan de motivation? Qu'est-ce qui aurait pu m'aider à me détendre pendant la séance de travail? Charlie! 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 Charlie, démarre. La dernière ligne droite. Il y avait trois. Vous n'avez aucun mal à me croire, n'est-ce pas? Même si plus de 15 ans nous séparent de la première époque, il a tellement lui aussi tenu le trône que vous n'imaginez même pas remettre en question qu'il a bel et bien été omniprésent pendant toutes les saisons de ma vie. Et sûrement la vôtre. Comme les chaussures. Il y a quelque chose que tu dois savoir. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'axe autour duquel doit tourner la campagne d'une telle paire iconique. Autour de lui. C'est ambitieux. C'est royal. Je t'avais dit qu'il me donnerait un nouveau bureau, n'est-ce pas? En fait, c'est pas vraiment un bureau, c'est un palace, le bureau. C'est un château. Il est gigantesque, il est magnifique, faut que tu viennes voir. Il y a même une plante. Il y a une plante. D'ailleurs, la petite Ruby, elle dort déjà. Tu peux me la passer, s'il te plaît? Faut que je le dise bonne nuit, non? Merci. Attends, je te rappelle, c'est lui, ok? Je te laisse. Alors, t'as kiffé l'idée?